slow. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter des activités assez what the fuck qui ne seront disponibles que sur PS3. Malheureusement, vous le voyez à l'écran, je ne peux pas réaliser ces activités ou vous montrer ce qu'il y a dans ces activités. Je ne peux pas vous montrer le contenu étant donné que je ne possède pas de PS3, je n'ai que la Xbox 360 et ces activités ne sont pas disponibles sur Xbox 360. Donc dans ces activités vous trouverez vraiment des trucs assez what the fuck. Vous allez passer, vous allez pouvoir tuer des personnes, des PNJ en habillé en mode Michael, Trevor ou autre chose. Que ça passe par des super-héros, des astronautes, des animaux, vraiment, il y aura vraiment de tout. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour Xbox 360, il n'y a absolument rien. Mon pote qui est modeur et avec qui je vous ai, qui m'a déjà passé des gameplays de mode que je vous ai déjà montré il y a pas très longtemps, il n'a toujours pas mis sa JTAG en ligne, donc du coup il ne peut pas vous créer et il ne peut pas créer ce genre d'affrontement. Mais je pense que dès qu'il mettra sa JTAG en ligne, il pourra créer ce genre d'affrontement et à ce moment-là, ils seront disponibles sur Xbox 360. En attendant, pour tous les joueurs Xbox 360, je vais vous mettre les liens des activités sur lesquelles je suis en train de jouer, c'est-à-dire où vous pourrez tout simplement aller dans l'hôpital, dans le laboratoire, etc. avec vos amis. Je suis désolé pour les joueurs Xbox 360, je vais faire tout mon possible pour pouvoir trouver ce genre d'activité. Donc ça a été créé par un modeur américain, donc il y a du zombie, des animaux, des super héros, Nico de GTA 4, des personnages de GTA 5. Il y a vraiment des trucs assez what the fuck. Je vous conseille d'aller les télécharger, donc tous les liens se trouveront dans la description. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Là je viens de me faire avoir, mais bon c'est pas grave, on va se suicider. Hop là, même pas, je suis même pas mort. Mais voilà, la vidéo est vraiment très courte, mais c'est vraiment pour vous faire part de ce genre d'activités qui sont assez what the fuck. Je remercie le modeur américain d'avoir réalisé ce genre d'activité. Je pense qu'il y a vraiment moyen de vous amuser, de pouvoir réaliser des petits gameplays ou des petites parodies, de pouvoir XP tout en même temps. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et un maximum de partage, ça me ferait vraiment super plaisir. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.